Coucou les morues, comment on va? Bon, aujourd'hui, c'est un épisode sur la survie 1.17, mais c'est encore un peu spécial parce qu'en fait, je peux pas réellement rec la suite sur la dernière sauvegarde. En fait, le truc, c'est que Minecraft aime bien totalement séparer leurs snapshots, et ce qui fait que là, j'ai dû recréer une survie. Après, il y a 2-3 choses particulières que je peux expliquer par rapport à ces snapshots, qui fait que je ne pourrais pas réellement continuer la survie sur cette snapshot. Bon, là déjà, en fait, comme vous avez pu le remarquer, eh bien, il y a des sortes de fleurs dans les arbres, je sais pas trop ce que c'est, mais le fait est que tout le monde, enfin le monde entier, toute la map est comme ça. Donc en fait, même si vous faites 10 000 blocs, eh bien, il y aura toujours un arbre paumé et que des plaines. Ce qui fait que, très concrètement, je vais pas continuer ma survie sur ce monde-là. Donc, on fait un épisode un peu hors série, temporaire sur ce monde-là, comme si c'était un épisode avec un plugin, voilà. Mais sauf que c'est bien la snapshot. Je crois que c'est 21W10A, donc qui est sorti il y a une heure. Donc là, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs. À mon avis, c'est juste une texture, mais plus tard, si je peux, je ferai des cisailles et tout. Bon, moi, je vais juste crafter ça très vite fait. Oui, en fait, je fais ma survie classique quoi au final. Et à la limite, juste un truc, si vous souhaitez aussi découvrir la snapshot, en fait, il y a un truc particulier à faire. Donc, la snapshot qui vient de sortir et qui a rajouté les Lush Cave Biomes. Le problème, c'est qu'en fait, ces Lush Cave sont seulement disponibles pour les mondes en single biome. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je ne savais pas ce que c'était et j'ai dû trouver par moi-même. Et pour l'instant, ça ne se génère pas dans les autres mondes. C'est-à-dire que sur la survie actuelle, eh bien, tout simplement, je n'ai pas accès à ces nouveaux biomes. Et si vous souhaitez les tester, il faudra créer un nouveau monde et dans plus d'options, eh bien, il faudra sélectionner le type de monde en single biome et customiser pour mettre le Lush Cave biome. Donc, Lush Cave qui est juste là. Ce qui va donner ce monde-là. Donc, je rappelle, c'est que pour du test, on fait une survie assez rapidement, très temporaire. Je vais essayer de choper de la stone très rapidement et on va directement aller dans les grottes. Au pire, il y a un peu de gravier. Je vais pas aller dans le nether. Bon, on sait jamais. J'ai eu un silex assez rapidement. Je pense qu'on va essayer de trouver une grotte. Moi, je vais faire mes outils au passage. De toute façon, j'ai assez de planches pour faire des bâtons et tout. Mais j'aimerais peut-être juste trouver un autre arbre si jamais... Ouais, je vais... Ah, tiens, attends, là-bas. Parce qu'en fait, j'ai vraiment peur de manquer de bois. Donc, on va prendre le stock qu'il faut et voilà. Ah, mais attends, mais avec la hache, j'ai pu récupérer la fleur. Et c'est un flowering azelae, je connais pas. À mon avis, c'est un genre de fleur. Par contre, j'en ai pas eu à tous les coups. C'est ça qui est vachement bizarre. Et si je casse là... Alors, ouais, j'en ai pas à tous les coups. C'est vachement bizarre. Peut-être que ça traînait par-dessus, je sais pas. Et là, si je pose, ça fait quoi? Ouais, ça fait une sorte de chapeau. Bon, maintenant qu'on a ça, moi, je vais aller creuser un peu dans la stone pour faire mes outils en pierre. Hop, je me fais 2 pioches, comme ça, je suis tranquille et je me ferai un four une autre fois ou maintenant, tant qu'à faire. Allez, je vais me prendre un peu de cobblestone pour un four. Maintenant que c'est fait, je vais essayer de trouver une entrée vers une grotte, s'il y a moyen, parce que c'est les grottes qui nous intéressent. Par contre, il n'y a aucun mob, donc pour la bouffe, c'est pas ouf. En vrai, je vais faire plus simple. On va creuser directement sous terre. Ah bah voilà, direct, on est tombé sur un biome sous terre et là, voilà, il y a des plantes partout comme prévu et c'est ça que je voulais vraiment découvrir. Je pense que là on est qu'au départ mais il y a déjà des buissons comme ça un peu partout. Là ce sont des azaleas donc sans les fleurs. Sinon dans la snapshot j'ai également vu qu'ils ont changé la texture du fer à nouveau. Voilà c'est plus une texture toute allongée. Ils ont refait un truc normal et c'est ce que j'avais reproché la dernière fois déjà. C'est cool parce que je fais des commentaires et j'ai l'impression que Minecraft m'écoute. Non après je pense qu'à mon avis c'est les avis de la communauté en général. Alors les baies comme ça je les avais déjà vu en fait il y a très longtemps. Est-ce que je peux les manger? Ouais ok, j'avais vraiment besoin de bouffe donc je peux les manger. En fait c'est ça qui fait de la lumière dans les grottes et ça c'est vachement sympa pour éclairer et je pense qu'on fera du coup des bases souterraines plus tard. Malheureusement comme c'est marqué ce monde là n'est pas encore disponible sur la version classique de Minecraft, hein, faut un peu bidouiller. Mais ouh attends Gilbert, hop, laissez moi tranquille. Par contre j'ai pas stuff encore. Donc là, il faut que je trouve un peu de fer, si je peux. Et que je prenne des baies peu à peu. Ouais, il me faut surtout du fer, en fait, là. Hop. Ok, je vais crever, hein. Non? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a du fer? Allez, stop. Bah attends, mais j'en ai vu tout à l'heure du fer, je suis bête. En tout cas, beaucoup de clay dans ce biome-là. En vrai, ce qui est bien, c'est si vraiment je cherche de la bouffe, eh bien, je suis la lumière. Il y en a normal, là. Attends, pas déjà. Ok, on va aller par là. J'ai l'impression que c'est intéressant. Ah, non, il y a absolument rien. Ah, attends. Ah mais ça continue comme ça dans l'eau. Oh c'est trop bien. Par contre faut pas que je crève hein. Ça serait dommage quand même. Pas déjà. Ok.
On n'a rien vu, c'était un test. Voilà, on oublie ce qui vient de se passer, hein. Vous avez strictement rien vu, ok, je récupère tous mes outils et c'est bon. Voilà, on n'a rien vu, on retourne dans les grottes. Il n'y a pas un peu de fer qui traîne là, parce que depuis tout à l'heure j'en cherche en fait. Ok, bah je vais redescendre comme tout à l'heure, et je redécouvre exactement la même chose que tout à l'heure. Par contre, je reprends des baies pour la bouffe, voilà. Et il me faut du fer. Ah tiens, là on a une fleur, je la connaissais absolument pas. Et c'est quoi? C'est une fleur spore blossom. Alors je connais absolument pas, mais ça a l'air sympa. Et vraiment j'ai pas trouvé de fer, hein. Je vais descendre encore, hein. J'ai pas le choix en fait. En fait là le but ça serait d'aller jusqu'à la deep slate et voir comment les biomes se génèrent au niveau de la deep slate. Ouh, ça fait mal, aïe. Ok, ça c'est pas un bloc habituel, c'est quoi? Ah, du fer, enfin. Ouais, le fer qui retrouve une texture normale, pas une texture genre tout allongée qui ressemble à rien. Ça c'est cool. Et en plus j'en ai beaucoup. Je vais déjà crafter un four et on va faire cuire le fer qu'on a déjà ici. Voilà, nickel. Attends, c'est moi ou ça a poussé derrière moi ça? What? Attends, mais c'était pas là tout à l'heure? Hein? Ah non, mais attends, mais il... What? Il se penche par rapport... Oh! What? Attends, parce que quand on passe dessus, c'est quoi ce délire? D'accord. En fait, là, il se remet à l'état normal. Et si on peut sauter une fois dessus, et après, il se plie. Ah! C'est trop bien. C'est trop bien. Pour ça, je trouvais ça chelou. Attends, un coup, ça me bloque. Un coup, ça me bloque pas. Ah non, 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 s'il te plaît, les gars. C'est pas le moment. Tapez-vous entre vous, s'il vous plaît. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ils me suivent, ils me suivent, ils me suivent. Eh mais du coup, quand j'essaye de manger, ça me plante des trucs. Mais non. Attendez, j'ai une idée. Faut que je creuse en hauteur. Ah non, ça l'a encore planté. à l'aide, je fais quoi en fait là? C'est bon, je peux manger ma bête tranquille? Ah, merci. Ah, ça me soigne pas du coup. Oh, ok, vas-y, c'est bon, je me crafte un bouclier. Il me faut un peu plus de bois. Genre, c'est vraiment le strict minimum en fait. Et un casque en fer, j'aurais pu prendre au moins une pioche en fer. Mais moi, c'est pas grave, on n'y passe après non plus. Moi, je pense que je vais continuer à descendre parce que la grotte elle s'arrête ici. Donc, on va descendre encore. On est couche 40, donc il y a largement de quoi faire. Et de toute façon, je suis sûr de tomber sur le biome, sachant que c'est un mode single biome. Bon, par contre, je suis déjà à la couche 5 et j'ai toujours pas retrouvé des grottes. Du coup, c'est pas ouf. Moi, je dois recrafter en plus une pioche en pierre. Et je pense que là, on arrive au niveau de la deep slate. Si tout va bien. Et aïe, la pioche. Ok, là on y est. Maintenant, c'est ce que je voulais faire, trouver ce biome avec la deep slate. Et à mon avis, ça va être magnifique. Ok, on y est. Par contre, j'ai un petit saut à faire là. Je vais peut-être prendre juste deux baies au passage. Attends. J'en avais deux là ou... Ouais, c'est chelou. Je vais essayer de descendre par là, tranquille. Ok, une grotte en deep slate. Et il n'y a pas de mob, c'est bon. S'il y a un mob là-bas, pas grave. En tout cas là, les plantes, elles ont vachement bien poussé. Genre, là, celle-là, elle est vachement longue. Attends, là je me repose sur quoi là? Je suis sur la plante et là ça va se pencher et je tombe. Non mais c'est trop bien. Et ça n'empêche pour, je sais pas, pour faire des jumps et tout, ça peut être vachement sympa. Et ouais, le fer en deep slate, il a pris une texture mais totalement différente. Là même limite le bloc, on voit trop que c'est du fer. Avant on le voyait pas assez, maintenant on le voit trop. Ah, ces joueurs de Minecraft là qui arrêtent pas de se plaindre. Y'a pas un peu de fer qui traîne encore? Tiens d'ailleurs j'ai pas pris ces blocs là depuis le départ, mais je crois que c'est des blocs de mousse tout simplement. Ok. Bon, là, la grotte, elle est déjà plutôt sympa. Enfin, moi, déjà, j'adore l'ambiance que c'est, hein. Vraiment, la grotte énorme avec de la verdure, je trouve ça magnifique. Je vais juste m'occuper du squelette qu'il y a là. Vas-y, tire. Tiens, un coup. Voilà. Comme ça, au moins, lui, il nous embêtera plus. Tiens, là-bas, il y a autre chose. On va essayer d'aller par là. Je vais essayer de monter. Alors, je salis un peu la grotte avec la cobblestone, mais c'est pas trop grave, hein. Donc là, le but, c'est vraiment de prendre toutes les baies pour se mettre bien côté bouffe. On va faire comme ça, ça sera plus rapide. Hop. Là, j'ai un peu de fer encore. Et là-bas, oh, il y a un lac énorme de lave. Oh, what? Attends, mais j'ai jamais vu un lac de lave comme ça, sous terre. C'est nouveau, ça, ou c'est moi qui ai loupé un truc? Oh, attends, je vais essayer de descendre. Bah oui, forcément, c'est obligé, j'allais viser à côté. Oh, obligé. D'accord. Et là, il y a un lac énorme de lave. On voit qu'il y a des petites particules vertes qui flottent un peu partout. Enfin, je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop bien. Par contre, c'est vrai que la verdure avec la lave, normalement, bon, c'est censé cramer, hein. Donc, c'est le truc limite un peu dommage que je reproche. Mais bon, c'est joli. C'est ce qui compte. Bon, faut juste que je tombe pas dans la lave parce que bon, sinon je vais encore crever. Waouh. Il n'y a pas un peu beaucoup de creepers là? Oh, mais attends, mais la grotte, elle est énorme. Oh, mais c'est trop beau. Oh, attendez. En fait, il me faut vraiment mon stuff en fer, là. Parce qu'il y a beaucoup de mobs. Et je sens que je vais crever encore. Je sens que je vais crever.
Je vais crever! Oh, 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 olé! Ok, bon, je fais le malin, mais faut pas. Je vais manger les baies, tranquille. S'il y a pas un creeper qui saute devant moi. Bon, le fait de pas avoir de bouffe, en fait, c'est pas ouf. Je suis un peu dans le mal. Ok, je dois avouer que c'est pas forcément simple de survivre sans bouffe au départ, sans mouton et tout. Hein. C'est un peu compliqué. Donc, leçon numéro 1, c'est beau, mais c'est dangereux. Il y a un petit passage, là. Ok, je crois que je retourne au point de tout à l'heure. Ouais, je retourne au point de tout à l'heure. Et il y a des squelettes. Tiens, d'ailleurs, je vais tenter, mais il y a plein d'arbustes. Est-ce que je peux pas, par hasard, faire cuire avec ça, là Genre, il y a la blinde d'arbustes. Il y a que de ça, ici. Eh, attendez, faut bien que je passe en mode expérience, quand même. Donc là, on a du fer. Est-ce que je peux mettre les azaleas? J'arrive pas à prononcer. Non, je peux pas. Est-ce que je peux mettre les blocs de mousse? Non. En fait, je peux rien faire, en fait. Ok, bah rip. Bon, bah j'ai fait cramer ma table de craft. Hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Ah mais non, mais c'était ma seule. Ah, je suis un boulet. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a assez de carburant pour un troisième lingot. S'il te plaît. Ok, c'est bon, nickel. Pas besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais recrafter une table de craft, vu que je suis un boulet. On va crafter un seau de lave et on va faire cuire comme ça, en fait, les minerais. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Bon, par contre, je vais pas mentir, la bouffe, c'est une plaie. J'arrive presque pas à me régène. Ok, je retourne par là. Il y avait un peu de fer. Non, mais les grottes, elles sont énormes. Et il y a un mob là encore. Non, mais c'est une blague. Je vais te cramer, toi. Voilà, crame. Allez, crame. C'est bien. Je pense que je vais peut-être faire des bottes quand même. En faire assez rapidement. Et pour ça, bah, petit saut de lave dans le four. Et tout va bien. Donc oui, je disais, c'est vrai que la grotte, elle est énorme. Enfin, je sais pas jusqu'à quelle couche elle monte. Mais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je trouve ça vraiment magnifique. Les grottes, elles ont énormément de hauteur. Et là, on est à la couche moins 53. Donc, on est vraiment tout au fond. Là, on est vraiment au plus profond sous terre. Et on va crafter des petites bottes. Au moins, je serai un peu plus résistant. J'aurais dû y penser avant, mais il aurait fallu un seau d'eau. Vraiment. Non, après, faut que j'admire de toute façon la vue et tout à l'état sauvage. Ça me fait penser un peu comme dans le film, là, Voyage au centre de la Terre et tout. La végétation sous terre. Bam. On est en mode exploration périlleuse. Regardez-moi ces biomes, ils sont trop beaux. Non, là j'avoue, je pense qu'on va faire une belle base dans une grotte comme ça plus tard. Bon, pas dans cette survie-là parce que le but là, aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer et voir ce qu'il y a de nouveau. Et j'avais pas trop envie de me spoiler, du coup là je découvre vraiment en temps réel avec vous. Et enfin, je trouve ça magnifique, vraiment. Dites-vous qu'il y a de la bouffe au plafond. Moi, c'est ça que je retiens en premier. Bon, par contre, le problème, c'est que niveau génération de minerais, on les voit pas trop, hein. Enfin, on en voit un peu. Là-bas, il y a un peu d'or, il y a un peu de redstone. Par contre, j'ai pas vu un seul diamant depuis le départ. Donc, alors, je ne sais pas à quel point c'est rare, mais on va bien voir ça avec le temps. Hein. Bon, là, t'as les deux squelettes qui se fightent. Il y a pas un peu de diamants qui traînent, là? Bah si, il y a un peu de diamant là, nickel. Par contre, j'ai pas de fer, enfin j'ai pas de pioche en fer. Allez, régène-toi, c'est trop long. Passe-moi de ta chair, Gilbert. Aïe, ah, j'aurais pas dû prendre ces dégâts là par contre. Ok, faut que je me crafte une pioche en fer, vite fait. Mettons le fer dedans avec un petit seau de lave, voilà. Et comme ça, on a au moins notre premier diamant. Hein. C'est juste une question de satisfaction perso. Hein. Bon par contre, il y a qu'un diamant, hein. C'est pas ouf. Hein. Ils vont se fight entre eux, ok, super. Ouais, clairement, ça va pas être le meilleur biome pour trouver du diamant. Ça c'est clair. Alors, je ne sais pas comment j'ai survécu, mais j'ai survécu. Par contre, c'est scandaleux, la génération de mobs. Pour finir, je vais passer en game mode spectateur, et j'ai envie de faire le tour des grottes, et... Ah oui, d'accord. Ah oui. Wow, c'est vraiment partout, en fait. Je devais m'en douter, mais je pensais pas que ça ajoutait autant de verdure sous terre. Il n'y a pas, genre, une grosse grotte quelque part? Et le main shaft, voilà, qui... Oh là là, non mais c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté de la lave, mais regardez, juste regardez-moi ce plan. Je suis désolé, mais là, je dois faire une base dans un biome comme ça, en fait. J'ai juste pas le choix. J'aurais pas pu tomber avec ma survie dessus, là, parce que là, enfin... Ok, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, c'est vraiment trop beau. Franchement, bien joué Minecraft. Là, pour le coup, je suis impressionné. Vraiment, vraiment. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup comme ça d'endroits où t'as de l'eau avec de la clay. Ça se fait très, très régulièrement, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai l'impression que dans ces biomes, il y a quand même beaucoup de lave dans les profondeurs. Là, il y a une autre grotte énorme. Oh là là. Regardez-moi la taille. En fait, j'ai même pas l'impression d'être sous terre. J'ai l'impression d'être à la surface. Là, je suis à la surface avec
des montagnes et tout. Non, mais c'est vraiment trop beau, c'est énorme. Mais regardez-moi la taille des grottes maintenant. Bon, bah écoutez, nous, je pense qu'on peut s'arrêter dessus cette fois-ci. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et surtout, n'hésite pas à liker et t'abonner au passage si les vidéos te plaisent. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Miro, je vous kiffe. Ciao.